enfants accroupis. Soleil levé, éclairci mais pour l'avenir, nos pas enfants. Mais c'est la foule qui devait trouver à Zodi. Et la foule historique qui nous vient trouver dans Rivière du Rempart. La foule qui nous vient trouver, la foule historique dans Plaine Verte, dans Mont d'Albert. Libérez-vous un message national. Libérez-vous un message national parce que qui voulait dire? Il voulait dire que le MSM, un grand parti, que le MSM, un parti qui va marcher la tête haute. Qui le MSM capable de boucler son propre pied, comment un grand parti. Et qui nous capable d'affronter une élection dans n'importe quelle condition. Parce que beaucoup de camarades peuvent dire, eh bien nous parlons tout seul. Nous parlons tout seul. Mais la réponse, lui là, mon camarade, dans pas quoi. La réponse, lui dans rempart. La réponse, dis-moi, lui pour dans. Goodlands. Et après ça, nous terminons en beauté avec la Coupe du Monde dans circonscription, nous camarades Pravin Jagnat dans Saint-Pierre. Parce qu'il nous a envoyé un message national qui s'est parti là, qui est né le 8 avril 1983 sous le leadership de Saniro Jagnat. Sa partie là, fini créer l'histoire. Sa partie là, il fait l'île Maurice moderne. Et sa partie là, il vient faire le miracle économique qui vient faire une bouleverse toute l'île Maurice et Azodi, tout ce qu'il nous trouvait dans ce pays là. C'est l'Inan mort, ce trace, c'est le MSM. Sa partie là, il fait aussi un miracle politique. Il vient faire Paul Béranger, fin premier ministre, pour l'histoire. Ça même plus grand moment dans l'histoire de la famille militante. Et nous tiens encore d'accord pour faire l'île. Féli est bien content encore de parole sacrée, Saniro Jagnat et camarade Pravin Jagnat. Nous finissons ce gâteau ensemble, dans Rose Noire, dans Manissa. Comme vous l'avez dit, nous mangeons ce gâteau tout seul. Mais ça, c'est qu'il tient travailliste, ça. Qu'il tient travailliste, tout bizarre pour eux. L'aéroport bizarre pour Nanani Sounak. Tout mon projet infrastructure, métro léger, l'Ibiza pour Béchou, tout la place, l'Ibiza pour Siratane, tout projet qui vise à faire, l'Ibiza faire pour mon travail, pour se faire casse. Nous détient 37 milliards de roupies en 1995, quand ça arrive au Jagnat qui gouvernement. En 2000, 5 bonnes années, Ramgoulam Bangolé, nous sortit 37 milliards, nous vînes 74 milliards. Nous nous reprenons en 2000, nous construisons l'école, nous faisons diversité, nous faisons infrastructure, nous servons à peu près 35 milliards de roupies, nous arrivons à une dette de 111 milliards de roupies. Nous donnons ça à Navin Ramgoulam en 2005, vous connaissez combien de dettes étaient à Zodi, 225 milliards de roupies, et nous nous faisons payer ça. Là, on peut faire un projet métro léger, 25 milliards, Dream Bridge pour faire, pas pour faire. Avec travail, pays là, bizarre pour lui. Pays n'a pas partagé. Ramgoulam Indiali, nous avons planté dans la Marie. Il y a un sérif là-bas, nous tout connu. Prends la terre, donne sur une famille, sous-louer sa la terre là avec une planteur. Paye 15 à 25 000 roupies par an. À ce où elle rentre, lever 4 heures, à l'encan. Pour gagner un petit profit, il est persisé dans la case, il n'est pas planté, il est sur famille, il peut gagner 25 000 roupies par mois, l'eau ça est un pour la terre là. Ici, il y a ça aujourd'hui, dans la Marie. Combien de projets nous t'y faire pour vous prendre un seul dans Engré Martial? Mon camarade, j'aimerais bien que ça. Nous t'y vote un complexe municipal dans Engré Martial en mai 2005. Nous l'achetons la terre en 2004, municipalité MSM, MMM. Nous posons première pierre le 24 mai 2005. Moi, camarade Siram, et quand encore un débat de député PPS, mon camarade Doukanti là-bas. 2005, nous perdons le gouvernement. Madame Papou Vini, frise sa projet là pendant 5 bananes, 2005 à 2010.
m'aurait venu nous allons visiter mon kit gouvernement, refrir ce projet-là. Vous connaissez qui peut faire demain, là, 2014. Ça veut dire 4, 8, 9 années après, demain peut faire pause, premier pierre, pour faire politique. C'est ça le parti travailliste. Pour ça, tout bizarre pour ça. Bon camarade, finalement, un bouleversement dans l'âme, un enfant, ce papa, tu peux faire titer. Tiens, un petit stall. Narendra Modi, l'Ifin Vin Premier ministre. Mais quand Premier ministre ou Vini, l'Ifin Tini a un discours, il y a moi qui me cause avec ça, Nirujabda, tes camarades Pravin. L'Idia pose pas important. Ce qui est important, c'est responsabilité qui de nous pour servir le peuple. Mais quand nous avons ça, Nirujabda, depuis 1963, en tant que député, en tant que ministre, en tant que leader de l'opposition, en tant que premier ministre, en tant que président, qui manière les fins de service au pays, ça c'est un exemple, mon camarade. Et c'est ça le MSM. C'est pas poste qui comptait, c'est pas numéro qui comptait, c'est ce qui vous faire pour le pays, ce qui vous faire pour circonscription, ce qui vous faire pour les peuples, parce que les peuples vous rappellent. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Le père de miracle économique qui sent sa pays-là et l'île Maurice moderne, c'est ce Anirou Djagna. Et aujourd'hui, nous programme qui était, c'est amène un nouveau miracle économique. Moi, je me rappelle, j'ai gagné l'occasion comme ça Anirou Djagna. Je me disais que lui, mettre s'il est pas balle pendant la commission d'enquête, la drogue. Pour casser les mafias. Madame Lady Jagnat peut pleurer quant à ça. Je n'ai pas mal là. Moi, mon Ketli, assisé tout seul au banc, le 21 décembre 95, quand nous perdons le pouvoir, 60-0. Mais qui courra ça en route finena pour revenir en 2000, récent sa pays là? Qui courra ça en route finena en février 2012? Qui est réduit, vini parce qu'il sur l'équerre, sur l'esprit, sur le courage, li avec où, avec les peuples. Et tu finis pour sauver le pays. C'est ça le MSM, c'est ça mon soldat. Aujourd'hui, toujours me dire, sans nous, mon soldat, nous n'avons rien. Un jour, vous connaissez l'affaire Medpoint, qu'est-ce que madame Anoumandji, Pravin Bati Maurice, nous sommes dans la case un dimanche matin. Pravin dit comme ça, nous pisons démissionner parce que ce gouvernement-là pourri. Parce qu'il ne peut pas rester dans ce gouvernement-là. Nous ne peut pas soutenir ce gouvernement-là, un gouvernement policier, un gouvernement Gestapo, un gouvernement qui servit MBC, qui servit CID, qui servit l'ICAC. Pour seul l'intérêt. Un premier ministre qui n'a pas connu son responsabilité. C'est un Djibun qui connaît une responsabilité quand on a la tête d'un pays, c'est bien ça Anirou Djagna. Si vous connaissez un Djibun qui connaît une responsabilité quand on a un ministre de finances et quand on fait une promesse ou répond lui, ou faire sa promesse là, toute promesse qui Anirou Djagna il fait, ça c'est Pravin Djagna. Bon camarade, bon camarade, vous pas boulong, mais destin ce pays là, il donne nous la main. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous donne un pays côté la confusion, côté la déception. Côté la tristesse, peine à l'espoir, nous pays peut fini. Seulement, tout le monde t'écoute David Ramgoulam. Et nous ne connaissons pas confiance, du monde fait, ou même aujourd'hui. Dans ça, l'état-là, quand il y a confusion, quand il y a cyclone, ou bien une colonne, ou bien une colosse, ou bien une partie, ou bien une leader, ou bien une vision. Ça, c'est ça, Anirou Djagna, Pravin Djagna et le MSM. Merci, mon camarade. Restez mobilisés et nous vous toujours avec eux. Merci.